Et salut tout le monde. Donc on se retrouve pour le petit dernier épisode de ce qu'on faisait. Donc la map Village Escape. On était en train de visiter petit à petit les maisons, ce qu'il y avait d'intéressant à voir dedans. Et vu que maintenant on a des petites boots de rapidité, on est nettement plus rapide. On a une épée en pierre cheatée qui one shot de temps en temps les araignées. Attention, attention. C'est pas partout que vous trouverez ça. Aïe. Non, mais ferme. Oh. Et oui, en effet, c'était encore la nuit. Allez, dégage, le squelette. Arthur, qu'est-ce qu'il vendait encore lui? Pas grand-chose. Une épée en bois, châtiment, non merci. Des flèches, je veux bien. Là, je vais remettre mon arc ici. On va vider tout le bordel qu'on a. De toute façon, nourriture, on n'en a plus trop besoin. Ça peut encore servir. Rotten flèche, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Ça, c'est la nouvelle maison qu'on avait créée. Chez Constantin. Constantin, alors lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Ouh, épée en fer. Elle fait 5 points, elle en fait 7,5. Faisons pas la même bêtise que d'habitude. Et on va changer d'épée. On va juste récupérer tout ce qui nous intéresse plus, genre les pièces d'or. C'est très utile, des pièces d'or. Et c'était l'arbre le plus proche de chez Constantin que l'on devait faire. Aïe. Ça m'énerve tous ces mobs. Oh. Chez Robin. Donc c'est l'arbre le plus proche, oui, je fais de chez Constantin. Donc on va aller visiter un peu la mine. Parce qu'il me semble que j'ai raté un truc dans la mine. Comme ce qu'il y a comme meuble là-dedans. Oula. Ma nourriture descend une de ses vitesses. On va enlever les bottes juste le temps de fouiller. Il faut que je trouve un bloc de lapis-lazuli. On va faire le bloc de lapis-lazuli, comme ça on aura exploré vraiment à fond le village. On va renvoyer le mannequin, de toute façon on avait tout pris, je crois. Un bloc de la pile azuli, parce que c'est bien beau d'avoir ça, mais si on n'a pas tout par là, c'était fait par là aussi. Ah, le vieux mineur. Ouh, ça c'est de l'épée. Ça, je veux bien le dépenser. Et j'irai par la forge après. Comme ça, là, je pense qu'on va avoir l'épée. La salle des 4 leviers, on l'avait faite. Dégage. Oh, mais sale bête, hein, je jure. Lui, il n'avait rien.
Par ici, il n'y en avait pas, je crois. Parcours Falcon, peut-être qu'il... Non, il n'avait pas de bloc. On va garder, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Et vu le nombre de mobs, c'est ce qui me semblait. Le jour est revenu. On va aller à la forge, assembler les deux épées, en espérant que j'ai assez d'XP. Hop, 18. Et encore, je sais pas tout récupérer. Si je fais dans ce sens-là. Ouais. C'est mieux. J'ai l'épée de cheaté en fer. Bon, on va continuer notre petite quête. Donc l'arbre le plus proche de chez Constantin. Couché, toi. Je pense que c'est cet arbre-ci. Effectivement, c'était cet arbre-là. Et pour éviter que personne s'échappe. Ah oui, c'est vrai, je sais pas reposer. What? Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Allez, debout, on se réveille. Hein, mais. Mais où est la sortie du village? Quoi? Tu as fait un mauvais rêve, allez. Non. Donc d'accord. Ah ça c'est bien foutu par contre. Ah ça j'aime bien. La douche. Bon la map, on peut la visiter maintenant. Slash... Bah non c'est vrai. Je suis déjà revenu en game mode. Ah ouais, d'accord. Tout ça n'était qu'un rêve. Oh, on n'avait pas vu cette partie-ci. Un bloc de gems. On va essayer. Allez, dégage, cheval. Ah, on avait vraiment pas tout vu. Pour sortir la plague. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Il y a certains trucs qu'on aurait dû visiter en plus. Après, on n'avait pas fait le cimetière non plus. GM. Lol. FS. Bon, on a terminé la map maintenant. En fait, j'aurais fait 5 minutes en plus par épisode. Ben, on aurait terminé la map en 2 épisodes. Oui. Par contre, c'est une map entièrement volante. Ici, il y a un petit quelque chose qu'on n'a pas fait non plus. Donc, 5 fois... Non, non, ça fait 0, 1. 0 plus 1, 1. 0 plus 1 fois 0, 0. Non, si. 1 moins 1, 0, 0 plus 1 moins 1, 0, 1 fois 0 plus 1. Ah oui, c'est mathématique. Ici, force 2. Oui, quand même. Oh non. On va quand même faire les dernières petites énigmes. Et le bloc de la pile Azuli était bien. Il était à cet endroit-ci. Ah ouais! Ah ouais, en fait, ça j'aurais dû le voir avant. Moi qui cherche un bloc de lapis lazuli comme un abruti. Dans la mine.
Et là, il y a une torche toute seule. Je sais qu'il y a un truc là. Ne peut être placé que sur les blocs d'émeraude. Émeraude, ça, on n'a pas encore vu par contre. Je vais me mettre en game mode spectateur, comme ça mieux tout ce qu'il y a à voir. Ah ouais, aussi là. Ah bah ouais, cet endroit, l'endroit où je me suis bien fait pigeonner, que ça fait plouf. Mais bon, ce n'est pas grave. Après ça, là-bas, c'est où le sage nous a envoyé. Sinon, plus on n'est pas venu. Il y avait quoi là-dedans? Ah ouais, ragoût de lapin, pas mal de flèches. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y avait encore à voir? Donc là, c'est l'endroit où on vient. Ça, il me semble que c'est une mine. Ouais, ça c'est une mine qui était de base dedans et qui n'a rien fait dedans. Ok. Donc là-bas c'est notre maison. Là c'était bloc en diams. Qu'est-ce qu'on aurait encore raté? Ah, le parcours. Méga parcours. Ah, le bloc d'émeraude. Il est là. Tenez cette épée, la fille, vous aurez. Et là, ah ouais, pas mal de pièces d'or aussi. Et après, je pense bien que c'est tout. Qu'on a fait le tour de la map. Ouais. Bah, sur ce, c'était Underexe pour clôturer ce dernier épisode, bah, tout simplement sur la map Village Escape, voilà, j'avais oublié le nom. Et on se retrouve pour de prochains épisodes, plus rapidement j'espère, parce que là j'ai tourné les trois d'affilée, donc mercredi ou dimanche, et mercredi ou dimanche qui suivent. Donc, je vous dis à plus tard. Et normalement, pour le mois d'août, je sortirai nettement plus de vidéos. Allez, ciao tout le monde!